Donc, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui. J'ai un peu de bug de chunk là-bas. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto. Vraiment très simple, c'est juste pour. Moi, je vais vous montrer. C'est avec le générateur de cobble. Ça, j'ai des. Ah oui, j'ai aussi installé le mode 3D item. C'est vraiment beaucoup plus joli. Bon voilà, on va pas traîner là-dessus. C'est super joli. En fait, c'est pour. Vous connaissez les tours là qu'on fait n'importe quel bloc. Oui, sur le 1.3.1. Bref. Vous connaissez les tours, je sais pas, n'importe quel bloc que vous faites quand. Quand vous voulez vous repérer, quand vous allez vous aventurer pour aller chercher de la nourriture ou autre, hein, des mines, vous faites une tour comme ça, vous essayez de le faire assez haut comme ça, même d'assez loin vous pouvez voir, justement comme ça, c'est cool, c'est cool. Et là, c'est toujours vous obligez de faire en deux pour un qui sera la tour et un autre pour descendre. Ben là ce sera une tour mais automatisée. Là, ça déjà un début de tour. Je lague un peu. Donc, nouveau skin. Hein. Voilà. C'était beau ça. Voilà. Donc là c'est un système de tour. Hein. Ben, ça, voyez. Là, ça a jusqu'à 12 blocs, hein. C'est une tour de 12 blocs, c'est quand même déjà assez imposant. Hein. En fait, c'est avec une régénération de courbelle, en fait, tout ce circuit qu'on a enlevé. Bon, je détruis tout, et après je vous reprends, juste, et je m'équipe de ce que j'aurai besoin. Après, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je vous reprends, maintenant j'ai tout détruit, vous voyez, il n'y a plus du tout de tour et tout, et tout ce qui est dans l'inventaire va servir. Donc, déjà au début on va faire le système redstone, en sachant que, ici, on aura le piston qui va faire pousser. Là je vais mettre les blocs, non, ici on aura la torche on va la mettre après. Hein. Ici, on met une redstone, un répéteur réglé à rien, un autre répéteur réglé à rien, la redstone de la redstone, et un répéteur réglé à fond. Là, vous pouvez mettre n'importe où le répéteur réglé à fond. Ça, je vais récupérer cette torche. Voilà. Après, on va faire le contour hein, du générateur habituel. En tout cas, moi je fais le générateur comme ça. Je veux pas dire que je fais mon générateur d'une manière bizarre. Mais je fais mon générateur. Je vais vous montrer. Donc là. Je vais vous le refaire. Ça vous allez plus simplement comprendre. Alors, déjà. On fait. Je lag un peu avec ça, monsieur. On fait ça. On refait un. Ah, là, c'est là. Ici, on fait un coup. Non, ça va être comme ça. On va passer par là. C'est comme ça. Après, ici, rien. Waouh. On met un truc, parce que là, normalement, les pistons, il est là. Mais là, on va mettre là. Ici, on fait un trou, on met le piston. Et si on fait un générateur comme ça, ce serait comme ça. Là. En même temps, on fasse. Ouais. Non. Si. Donc là. Là, comme ça. Là, c'est ici où ça va se faire. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, même pas besoin de mettre pause avec moi. Voilà. Donc là, on met l'eau ici, hein. elle s'arrête avec le trou. Et là, elle lave, et ici, au contact, hop, cobble. Donc, voici le générateur. Ici, on a rajouté le piston. Donc là, la cobble va se générer, mais sur le piston.
Vous allez le voir, ça c'est généré ici. C'est un piston. Le piston est devenu invisible. Et là, ici, hein, question de sécurité, on n'a pas besoin d'oublier. On l'active. Là, ça fait un truc bizarre. Là, ça va le pousser. Et là, on désactive. Et là, ça va faire un truc. Là, ça ne tire pas. 3, et là, ça fait 3. Voilà, et là, ça monte tout seul. Hop là, 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 là. C'est fini déjà ? Voilà, ça monte. En plus, c'est en cobble, hein, ça c'est voyant. Là, je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini. Donc après, quand c'est fini, hein, on arrête ça, pas besoin de... Combien de FPS ? Je pense que je tourne avec le câble. Pas beaucoup de place, hein, quand c'est bien. Utilise là. Donc maintenant on peut tout reboucher. Hein. Besoin de d'avoir tout ça. Vous savez qu'en studio le son est assez bon, hein, même si le micro de mon ordi est vraiment pourri. Faut le dire. Faut dire ce qu'il y a à l'oreille. Hein. Voilà. Là vous avez votre tour. On récupère son petit question. Là on a sa tour. Et maintenant après on peut pas faire. Du bank bank. La connard. Là c'est quand même déjà assez haut. Hein. Demandez bien qu'est-ce que c'est que ça, bah c'est. Alors on va se rentrer dedans. Allez bonus. Alors je vais essayer de régler ce problème avec mes FPS. Et je vous reprends juste après. Non. Enfin, c'était seulement le tuto, donc voilà. On va faire une tour qui se construit tout seul. Donc ça, vous pouvez avoir plein de trucs de... après, vous faites un générateur à l'emplacement tout en haut. Donc ici. Pour la visée de sniper. Voilà. Faites un générateur ici, ça va remonter de 12 blocs, donc ça va faire en tout 24 blocs. Donc là, si vous n'arrivez pas à voir ça, c'est que vous devez vous acheter des lunettes. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto vous a plu autant que vous l'avez. Et allez, ciao! Il suffit de se munir d'un cellulaire pourri. Et puis après, tu filmes un chien qui va faire un truc comme les humains. Ça va faire rire tout le monde.